Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du mercredi 26 juin. Au sommaire de cette émission, la journée nationale du point d'accès au droit, la fête du centre social Les 4 saisons, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actu. Avocats, notaires, défenseurs des droits, conciliateurs de justice et bien d'autres corps des métiers du droit s'étaient réunis toute l'après-midi, mercredi 19 juin, à la maison de Bosle de la ville d'Armentières. Organisée par le Conseil départemental d'accès aux droits du Nord, cette journée proposait à la population armentiroise des consultations gratuites et personnelles où chacun pouvait y poser toutes les questions liées à la vie quotidienne. Ce samedi 22 juin, le centre social Les 4 saisons a organisé une kermesse géante invitant les membres de la structure mais aussi tous les passants à venir s'amuser. Jeux gonflables, combats de sumo, parcours du combattant, les enfants étaient au rendez-vous. Cette journée, qui marque la fin de l'année scolaire et le début de l'été, s'est terminée par un bal populaire au rythme des années 80. Vendredi 28 et samedi 29 juin, l'espace naturel Lille Métropole vous propose une balade nocturne au cœur des prés du M. À partir de 21h30, au crépuscule, le marais des contrebandiers vous livrera tous ses secrets. Réservation obligatoire. Jeux gonflables, parcours acrobatique, jeux flamands, concours de pétanque, promenade en poney ou en bateau. Rendez-vous le 7 juillet pour un dimanche inoubliable avec les fêtes de la Lys au complexe sportif Léo Lagrange entre 10h et 19h. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain.